Bienvenue à tout le monde. C'est avec plaisir que Laval en transition et la caravane vous accueillent aujourd'hui. C'est un honneur d'avoir parmi nous Mme Joanne Iakem du Centre Intact d'adaptation au climat de l'Université de Waterloo. Madame Joanna possède une imposante et large expertise en adaptation au changement climatique. Je passe la parole à Marie-Anne Perrault pour nous donner un aperçu du mouvement citoyen lavallois, Laval en transition. Oui, merci beaucoup Amal. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame Joanna. Je me présente. Mon nom est Marie-Anne Perrault. Laval en transition, c'est un mouvement citoyen qui est né d'une volonté commune d'unir nos forces pour diminuer notre empreinte écologique, transformer positivement notre communauté et lutter activement pour renverser la crise climatique. Les valeurs qui guident les actions des citoyens et des citoyennes de Laval en transition sont la participation, le plaisir, la démocratie, la communauté, le respect mutuel, l'imagination et l'audace. Inspiré par ces valeurs, Laval en transition désire rendre hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'établissement des colons européens, étaient présents sur les terres où nous sommes rassemblés. On désire souligner que ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Ganyengaraga et qu'elles ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Au nom de Laval en transition, je vous remercie d'être avec nous ce soir ou d'écouter l'activité en rediffusion, ainsi que tous les citoyens et citoyennes qui ont été impliqués justement dans l'organisation de cette activité. Pour rejoindre la communauté de Laval en transition et pour vous impliquer ou pour contribuer, visitez le site web lavalentransition.org ou rendez-vous sur notre page Facebook Lavallois, Lavalloise en transition. Et voilà. Donc, Amal, à toi pour la suite. Merci, merci Marie-Anne. Et comme elle vient de dire, Marie-Anne, pour ne pas perdre l'espoir pour demain, la caravane est un outil facilitateur pour donner plus de confiance aux citoyens d'agir au quotidien. L'adaptation au changement climatique et rétablissement de nos systèmes climatiques repose sur nos actions locales que nous devrons réparer avec sagesse. Dans cette perspective que la caravane a dressé l'outil des activités, nous avons mis des informations nécessaires pour guider les citoyens à comment ajouter une activité. C'est une stratégie pour les encourager à créer des activités. Puis, ces activités devraient être bien rangées. Pour cela, nous avons créé des thèmes et des sous-thèmes dans la section catégorie d'activités. Et nous avons constaté que c'est pertinent aussi de mentionner dans quel quartier l'activité aura lieu, d'où la section quartier. Nous avons pris connaissance que les citoyens aiment partager leurs connaissances. Nous avons créé les webinaires citoyens et les webinaires thématiques. Pour en savoir plus sur nos outils et services, nous vous invitons à naviguer sur notre site web caravanetransition.org. Et comme vous savez, c'est le printemps. Et le risque d'inondation est bien réel pour les bâtiments riverains. Par un intérêt de nous apprendre sur cette problématique, Madame Joanna a ajouté l'activité « Agissons ensemble pour la résilience aux inondations » sous le thème « Gestion de l'eau et résidus ». Elle va nous étudier des mesures préventives et nous faire connaissance que non seulement les bâtiments riverains seront touchés, mais bien plus encore. Je passe la parole à Madame Joanna de nous faire un bref sur son large expertise et débuter la conférence. Merci beaucoup. Et premièrement, merci pour l'introduction. J'ai une présentation à partager avec vous, mais premièrement, je voulais dire merci à Mackay. Puis, je ne sais pas si vous connaissez déjà le Centre Intact, mais un des rôles du Centre Intact, c'est vraiment de travailler avec les communautés et les résidents pour qu'ils aient les outils pour se protéger contre les inondations et les risques climatiques. Alors, ça fait vraiment plaisir d'interagir avec les citoyens, puis de les donner les informations qu'ils peuvent utiliser pour agir. Alors, avec ça, je vais partager le partage d'écran. Voilà, non, pas celui-là, celui-là. Je vais débuter le slideshow. Alors, j'espère que vous voyez tous la présentation.
Alors, le titre de la présentation, c'est « Agissons ensemble pour la résilience aux inondations ». Puis, vraiment, un des messages que je veux passer aux écouteurs, c'est vraiment que tout le monde a un rôle à jouer dans l'adaptation au changement climatique. Et ça, surtout pour les inondations, on a des actions qu'on peut faire chez nous pour réduire les risques. Alors, c'est vraiment, on peut, il y a les gouvernements municipaux, le gouvernement fédéral, ils ont tous un rôle à jouer. Mais les citoyennes, il y a les choses que nous, on peut faire nous-mêmes. Alors, je veux partager cette information avec vous pour vous avoir ce que vous avez besoin. Alors, premièrement, une brève introduction au Centre d'Impact d'Adaptation au climat. On est un centre de recherche à l'Université de Waterloo en Ontario, mais on travaille de façon pan-canadienne sur plusieurs volets. Une, c'est les inondations, c'est le risque le plus coûteux au Canada, et c'est le dossier le plus mature chez le centre. Les autres risques, on touche le feu de forêt et les extrêmes chaleurs. Et les approches qu'on peut voir, c'est l'utilisation des infrastructures naturelles et l'incorporation des risques climatiques dans les marchés financiers. Alors, ça, c'est un peu notre champ de travail. Alors, aujourd'hui, on va parler vraiment des inondations. Mais si vous voulez plus d'informations sur les autres dossiers, je vous invite à visiter notre site web. Alors, on va commencer avec quelques faits. Alors, savez-vous que l'eau a dépassé le feu en tant que cause la plus courante de réclamation d'assurance au Canada il y a plus de 20 ans? Alors, c'est vraiment la problématique la plus courante. La majorité des réclamations, par contre, relatives à l'eau sont causées par les fuites d'appareils et de conduites d'eau, alors environ 60 %. Le reste est réparti entre les refoulements d'égouts, la différence de la pompe de puisant, alors si vous ne savez pas c'est quoi une pompe de puisant, je vais expliquer après, et les inondations de surface causées par les fortes pluies. Tous les maisons sont sujets à ces risques. Alors, ce n'est pas qu'on n'habite pas dans une plaine inondable, qu'on est en dehors de risque d'inondation. Environ 5 % des habitations canadiennes font face à des risques supplémentaires en raison des inondations terrestres causées par les rivières, les lacs et les océans. Puis, je suis bien consciente qu'à Laval, vous êtes proche des rivières et les lacs. Alors, c'est vraiment, il y a quelques maisons qui sont dans la zone plus touchée. Mais toutes les maisons, même si on n'est pas dans le plein inondable avec une rivière, mais on a peut-être les risques d'inondation. Alors, c'est un message que je voulais partager avec vous, qu'on ne regarde pas nécessairement juste les pleins inondables. Alors, premièrement, on parle des changements climatiques beaucoup avec les inondations. Et le message, c'est que les changements climatiques sont réels. Et ça, c'est maintenant que ça change. Alors, je ne sais pas si vous regardez des fois les nouvelles ou les situations globales, mais de chaque mois presque, je regarde ce site de noir aux États-Unis qui donne un aperçu des records qui sont comme chaque mois cassés à travers le monde. Mais septembre 2020, c'était le plus chaud jamais documenté depuis 1880. Puis les 10 dernières, mais les décennies, les 10 ans les plus chauds, ils sont tous dans la dernière décennie, sauf le 1998. Alors, c'est vraiment les tendances, la température monte, puis on a les records démontrent que ça change maintenant. Ce n'est pas quelque chose de futur qu'on ne prépare au futur. C'est vraiment, on commence à voir ça maintenant. Pour le contexte canadien, alors ce qu'on on note, c'est que le climat du Canada s'est réchauffé et se réchauffera davantage à l'avenir sous l'influence humaine. Le réchauffement au Canada est en moyenne environ le double de l'ampleur du réchauffement mondial. Et ces changements sont pratiquement irréversibles sur une durée de plusieurs siècles. Alors, c'est vraiment le Canada, on est très touché pour les changements climatiques. Et les impacts, on va avoir des chaleurs plus extrêmes et les froids moins extrêmes. Les changements dans la couverture de neige et de glace plus courts.
fonte de neige et de peau gelée sol, de glacier et peau gelée sol, elle est hausse de la niveau de la mer. Mais ce qui touche les Lavallois, c'est l'intensification de certains extrêmes, les précipitations intenses et les inondations au milieu urbain étant une de ces intensifications. Aussi les inondations côtières, mais partout à Laval. La gravité des vagues de chaleur, on attend aussi, on parle un peu moins des vagues de chaleur, mais ça, c'est un risque aussi qu'on parle de plus en plus. Et une risque de sécheresse et de feux de forêt. Alors, c'est vraiment des extrêmes dans les deux sens. Mais aujourd'hui, on va parler surtout les précipitations intenses et les inondations au milieu urbain. C'est pas un problème environnemental. C'est ça qu'un message aussi qu'on essaie de passer. Pendant longtemps, on parlait des changements climatiques c'est comme un enjeu juste environnemental, mais en fait, c'est un enjeu économique et social. Alors, on voit que les coûts des inondations augmentent avec le temps. Ce graphique ici, c'est les sinistres assurés au Canada. C'est une catastrophe, c'est en plus de 25 millions de dollars. Alors, on voit qu'avec le temps, la tendance, ça augmente. En 2020, le total, c'était 2,4 billions. Alors, 1 000 ouais, en français, c'est un peu difficile de traduire. Alors, c'est milliards de millions, je crois. Alors, on parle d'environ 10. Parce qu'en fait, le graphique, c'est les sinistres assurés et les pertes subies par les gouvernements et les propriétaires sont estimées à 3 à 4 fois ces coûts. Alors, ça, c'est juste les coûts assurés. Et l'augmentation est principalement attribuable aux dégâts d'eau et souvent, c'est ce qui est entraîné par les inondations. On voit, par exemple, en 2016, c'est les inondations et les feux de forêt à Fort McMurray qui fait le plus grand pic qu'on voit. Alors, c'est lié aux inondations aussi. Alors, face aux inondations, sur le Centre Intact, on a travaillé fort pour développer les lignes directrices à plusieurs niveaux pour la santé mentale des citoyennes, des résidences, des immeubles commerciaux, et puis au niveau communautaire, les zones résidentielles existantes et des nouvelles zones résidentielles. Alors, il y a plein d'informations, mais ce que je vais concentrer aujourd'hui, c'est vraiment les résidences, alors ce qui touche chez vous. Mais si vous voulez plus d'informations, il y a une sommaire de tous ces rapports. C'est le rapport sur MMPRP qui est disponible sur notre site web. Puis, si on circule la présentation, en fait, la présentation, si je vais sur les images, les liens sont là. Alors, ça sert un peu comme une petite bibliothèque que vous pouvez utiliser après. Alors, pour les inondations et comment ça impacte les maisons, mais la première chose, c'est de comprendre les aléas. Alors, les aléas, c'est les hasards, les inondations qui affectent notre communauté alors, au niveau plus large que la maison. Alors, il y a deux sources d'inondations clés à Laval. Alors, une, c'est les rivières, alors, la rivière des Mille-Îles et des Prairies et le lac des Deux-Montagnes. Alors, ça, c'est ce qu'on parle de la plaine inondable, par exemple. Et si pour avoir plus d'informations, il y a le site web de la ville de Laval pour savoir l'entendue des zones exposées aux inondations. J'ai mis le lien là-dessus. Puis, un deuxième type d'inondation ou source d'inondation qu'on parle beaucoup moins au Canada, c'est la pluie intense. Alors, c'est quand on peut avoir un refoulement possible si le taux de pluie excède la capacité du système de drainage. Alors, ce type d'inondation, ça s'appelle pluvial, ou si jamais vous entendez ce mot, ça veut dire la pluie intense. Puis, c'est beaucoup moins prévisible. Puis, c'est ça qui augmente avec les changements climatiques, en fait. C'est les durées de pluie intense de courte durée, cloud burst ou water bomb, qu'on voit de plus en plus qui touchent surtout le milieu urbain qu'on s'attend parce qu'on a les surfaces imperméables puis on a les systèmes de drainage.
Puis, pour avoir plus d'alertes, par exemple, il y a un service de communication de la ville, puis j'ai mis le lien ici. Alors, la ville communique avec les gens sur les sujets d'inondation. C'est là pour les citoyens, pour cet moyen. La prochaine chose, c'est de comprendre votre maison. Alors, il y a plusieurs sources de dommages causés par l'eau, puis ça dépend vraiment de la construction de votre maison, les faiblesses de votre maison, les équipements que vous avez déjà installés, que peut-être vous ne savez pas. Souvent, les gens ne sont pas trop sûrs, c'est quoi un clapet intégrateur, par exemple, qui est un équipement qui peut, on le voit ici. Le clapet anti-retour qui est comme entre le système d'égout et la maison. Alors, si les égouts sont remplis, ça évite que l'eau rentre dans la maison par les égouts, en fait. Alors, ça, c'est un équipement commun. Puis, il y a la pompe de puissance, le sump pump en anglais. Alors, la pompe est là pour si l'eau rentre dans le sous-sol, mais la pompe fait pompage pour enlever l'eau dans le sous-sol. Alors, ces deux types d'équipements sont importants. Puis souvent, les gens ne sont pas très conscients si la maison a ces équipements ou non. Alors, c'est ça la première vraiment étape de comprendre votre maison, comment c'est battu et peut-être c'est quoi les faiblesses. Donc, je vais parler un peu plus de ça. Pour la protection contre les inondations, à sec, c'est-à-dire qu'on essaie de garder l'eau en dehors de la maison. C'est ça que je vais parler principalement aujourd'hui. Il y a aussi des méthodes qui laissent l'eau rentrer et couler à travers la maison, ce qui est comme la protection contre les inondations plus mouillées, wet flood proofing en anglais. Mais aujourd'hui, on va parler plus de dry flood proofing, protection contre les inondations à sec. Alors, les principes, c'est de garder l'eau à l'extérieur de la maison, d'enlever l'eau rapidement si elle entre et de réduire les dommages par exemple, utilisant les méthodes de stockage qui sont résistantes à l'eau ou sélectionner des finitions qui sont aussi comme résistantes à l'eau. Mais il faut se rappeler que chaque maison est unique. Et les risques dépendent sur le contexte physique de la maison. Alors, ça dépend si on est dans le plein inondable, on est dans une dépression, par exemple. Alors, ça peut varier. Le voisin n'est pas nécessairement le même que vous. C'est parce que votre maison est différente, ou elle a différentes faiblesses. Et les actions peuvent réduire les risques, mais ne peuvent les éliminer. Alors, il y a toujours un risque d'inondation. Il y a toujours quelque chose qui peut pas aller bien. Pendant l'inondation, par exemple, si on a une pompe de puissance, mais on n'a pas vérifié la batterie, et la pompe ne marche pas, mais on peut toujours avoir un problème d'inondation. Alors, les risques clés face aux inondations, on a fait plus que de 500 visites des maisons à Saskatchewan et en Ontario pour déterminer un peu notre projet de recherche de c'est quoi les risques clés dans les maisons, dans la maison et liées à l'entretien. Alors, les résultats indiquent que souvent, on voit que les décharges des descentes pluviales sont à moins d'un mètre de la fondation. Alors, en fait, les décharges pluviales, l'eau tombe juste à côté des fondations. Des fois, la façon dont la topographie de notre maison dirige l'eau vers la fondation, on voit ça beaucoup à Montréal avec les driveways à l'inverse, vers la maison. Il y a aussi les décharges de puissance, les pompes de puissance qui sont à moins de 2 mètres de la fondation aussi. Alors, ça, c'est des risques en dehors de la maison. Dans la maison, souvent, il n'y a pas d'alimentation de secours pour la pompe de puissance. Alors, souvent, c'est bien d'avoir une batterie en backup. On voit les immeubles, les appareils électroniques à risque d'être endommagés, alors comme sur le plancher dans le sous-sol, avec les objets de valeur. Alors, c'est mieux de les élever ou de les mettre dans des conteneurs qui sont étanches.
On voit aussi l'obstruction de l'écoulement de l'eau vers le drain de plancher. Alors, des fois, on a le drain, mais c'est encombré par les objets qu'on a stockés dans le sous-sol. Alors, et des fois, les gens ne savent même pas que le drain est là parce qu'il y a des moquettes ou des choses comme ça là-dessus. Alors, ça, c'est une chose à regarder aussi. Les risques clés liés à l'entretien, alors, comme j'ai dit, ce n'est pas assez d'avoir les équipements dans la maison. Il faut qu'on les entretienne. Par exemple, le clapet anti-retour, il faut le nettoyer de temps en temps pour être certain que ça fonctionne bien. Alors, le manque d'entretien, ça peut être un risque. Le manque d'entretien de l'alimentation des écoutes de la pompe puissante, qu'on a déjà mentionné. Et le pompe puissante lui-même aussi, il a besoin d'être entretenu. Alors, il y a les choses d'entretien qui doivent être faites de temps en temps, de façon saisonnière, en fait, qu'on doit continuer à faire. Ce n'est pas que juste quelque chose qu'on fait puis tout est beau. Il faut rester vigilant puis maintenir les affaires. Alors, on va maintenant faire étape par étape le document 3 étapes que alors, on voit le fameux clapet anti-retour, on voit la pompe de puissance qu'on a déjà mentionné, mais aussi on peut enlever le débris de l'égout pluvial le plus proche parce que si l'égout près de chez vous est bloqué avec les feuilles, par exemple, mais ça peut mettre votre maison en danger des eaux. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans le quartier. Nettoyer les gouttières aussi, si on a les feuilles dans les gouttières, alors ça, c'est quelque chose qu'on fait après le tombée après l'automne, alors avant les inondations. Et puis, vérifier s'il y a les fuites dans la plomberie, les accessoires, les appareils électroménagers, parce qu'on a vu la plupart des inondations de sous-sol ou des dégâts d'eau sont dus aux fuites, en fait. Alors, il faut simple qu'on peut faire nous-mêmes. Alors, une, c'est de, par exemple, prolonger les descentes pluviales et les tuyaux d'évacuation des puissants à au moins 2 mètres des fondations, qu'on a déjà mentionné. Entreposer les objets de valeur et les matières dangereuses dans les contenants étanches et sécuriser les réservoirs de carburant, si on a dans le sous-sol. Enlever les obstructions du drain du plancher, comme j'ai mentionné aussi. On peut aussi installer et entretenir les alarmes d'inondation qui peuvent servir aussi si on part en vacances, si vous avez un système d'alarme pour avertir s'il y a un problème. On peut aussi installer les couvercles de super-eau où il n'y a pas de problème d'évacuation en cas d'incendie parce qu'on ne veut pas bloquer l'accès pour que les gens sont bloqués dans le sous-sol aussi. Alors, il faut regarder ça pour être sûr que vous avez une sortie d'urgence aussi. Mais ça peut aider d'éviter que l'eau rentre par la fenêtre. Les mises à niveau plus complexes que c'est bien d'engager un entrepreneur pour travailler avec vous. Alors, pour corriger, par exemple, le nivellement pour diriger l'eau qui part de la maison et va vers la maison, d'installer un clapet anti-retour si vous n'avez pas, ou d'installer une pompe de puissance si vous n'avez pas, mais l'entrepreneur peut travailler avec vous pour être certain que c'est approprié pour votre maison. Et d'installer les super-eaux autour des fenêtres et de brancher les descentes pluviales aussi. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous pour ça. Il faut mentionner que toutes ces mesures ne s'appliquent pas nécessairement à chaque maison.
Par exemple, les gens qui ne sont pas sous-sol, mais la plupart de ces mesures ne sont pas applicables nécessairement parce qu'on assume que tout le monde a un sous-sol. Et si les gens n'utilisent pas les sous-sols aussi, il y a quelques maisons où je sais qu'ils sont inondés assez fréquemment, puis ils ont abandonné le sous-sol. C'est comme juste, ce n'est pas un espace qu'ils utilisent pour mettre des choses de valeur ou comme habitation. Ça, c'est aussi un considérant. Et le fait de suivre les étapes ne garantit pas la prévention des inondations parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut être plus intense qu'on pense ou quelque chose qui ne va pas, qui veut dire qu'on peut, on a un risque d'être inondé. Alors, on élimine pas le risque et on le réduit. Alors, pour la première étape, que tous les gens qui écoutent la présentation, c'est beaucoup d'informations et des actions à penser, mais je vous suggère de faire votre propre évaluation avec, chez vous. Il y a un lien ici en haut, en bas de la présentation. C'est un lien vers une application qu'on peut mettre sur ordinateur ou téléphone intelligent. Et en fait, c'est une... C'est vous qui faites une évaluation de votre maison pour répondre aux questions assez simples, oui ou non. Puis ça prend environ 5 à 10 minutes à compléter. Puis ça va donner un rapport confidentiel qui met une liste des mesures ou des actions. Les actions que vous avez déjà faites et les actions que vous pouvez considérer à faire dans le futur pour réduire vos risques d'inondation. On a des listes de subventions locales parce que des fois, il y a les programmes de subventions sur les équipements, comme les clapiers anti-retour, par exemple. Aussi, on a des astuces pour les assurances que je vais couvrir juste plus tard et les liens vers les vidéos pratiques et fiches d'information. Mais ce que vous avez de plus value, c'est un rapport d'action exprès pour votre maison, basé sur vos réponses. Je vous suggère d'utiliser ça. Ça donne un clin d'œil de où c'est utilisé à travers le Canada. Alors, comme j'ai dit, le Centre Intact, on travaille dans toutes les provinces pan-canadiennes. Alors, tous les petits points rouges et bleus, c'est où les gens ont utilisé l'application pour vérifier l'état de leur maison. Alors, on voit que c'est vraiment assez partout. J'ai mentionné aussi de comprendre votre assurance. Alors, des fois, on assume que les assurances couvrent les dégâts d'eau causés par les inondations, mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, normalement, les dommages causés par l'eau pour les propriétaires de maisons sont généralement couverts si c'est les dommages soudains et accidentels causés par les fuites d'eau, des tuyaux, des appareils et des accessoires de plomberie. Mais des dommages causés par le refoulement des égouts, l'écoulement des eaux de surface, c'est-à-dire les rivières de bord, par exemple, les eaux souterraines et la rupture des conduites d'eau et d'égouts sont facultatives. Alors, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'option pour imposer cette couverture d'assurance. Alors, il faut vraiment vérifier votre politique. Si vous n'avez pas pris les options pour les inondations, ils ne sont probablement pas couverts. Généralement non courant, c'est des dommages causés par les fuites chroniques ou un mauvais entretien et dommages qui surviennent lorsque les absences prolongées sont surveillance régulière. Alors, il y a des choses que nous, on doit faire, on doit être responsable aussi pour que les couvertures d'assurance soient applicables. Puis, les couvertures d'assurance contre les dommages pour les locataires, généralement couvert, c'est le remplacement de contenu personnel et de l'hébergement temporaire pendant les rénovations. Alors, aussi de comprendre votre maison, c'est bien de comprendre vos couvertures d'assurance aussi, pour aider savoir ce que vous avez dans le sous-sol aussi, parce que si vos records sont dans le sous-sol, puis vous êtes inondé, mais il faut avoir un record de ceux qui étaient endommagés aussi. Ça, c'est bien. Alors, les astuces liées à l'assurance, c'est de compléter les tâches d'entretien pour protéger votre couverture. Alors, faites les entretiens saisonniers,
Et quand vous êtes en vacances, demandez à un ami de refaire la maison ou installer une alarme, parce que si vous partez pendant longtemps et vous êtes inondé à cause qu'il n'y a personne qui est là, la couverture d'assurance peut-être ne serait pas applicable. Pour reconstruire mieux, alors c'est-à-dire que les politiques d'assurance sont conçues pour restaurer le bien assuré à les conditions avant la catastrophe. Mais en cas d'inondation, ce qu'on peut faire, c'est d'obtenir un avis pour restaurer et un devis pour reconstruire mieux et puis travailler avec les assurances pour voir si vous pouvez payer la différence vous-même, mais avoir un reconstruire mieux. Alors, s'il y avait quelque chose qui n'était pas très bien à l'origine, mais d'améliorer, par exemple, de choisir les finitions qui sont relatives aux inondations. Et puis, le troisième avis, c'est de comparer les prix parce que les produits d'assurance évoluent rapidement. Alors, vous pouvez renseigner sur les rabais d'assurance disponibles si les mesures de protection contre les inondations sont mises en place. Par exemple, il peut y avoir un rabais de jusqu'à peut-être 15% si vous avez des mesures pour protéger la maison en place. Et de magasiner pour comparer les prix et la disponibilité des produits, parce que peut-être la couverture d'inondation n'est pas nécessairement disponible et c'est facultatif. Alors, il faut vérifier si c'est dans votre politique ou non. Voilà. Alors, ça couvre un peu la présentation. Si vous avez besoin de plus d'informations, il y a beaucoup disponible. Alors, nous, au Centre Intact, on a beaucoup de ressources en ligne en français. Il y a les fiches d'information et vidéos pratiques sur la protection des inondations. Il y a l'outil d'auto-évaluation que je vous recommande fortement. Il y a aussi des formations en français sur la protection contre les inondations, un peu comme j'ai fait brièvement ici. Et il y a les contenus partageables sur les réseaux sociaux. Le centre est aussi sur Twitter et Facebook. Facebook, on essaie d'être un peu plus bilingue parce qu'à l'origine, c'était un peu plus anglophone, mais j'ai ajouté notre présentation là-dessus. Puis vous pouvez suivre le caravane aussi parce qu'eux et nous, on travaille ensemble maintenant. Puis la page web pour le programme de protection contre les inondations est sur l'écran aussi, ici au centre Intact. Voilà, alors c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez des questions ou vous voulez que j'explique quelque chose en plus de détails. Oui, moi j'aurais une question. C'est concernant la pompe de puisard puis l'élément à clapet. Donc ça, c'est surtout pour les maisons avec sous-sol, mais est-ce que c'est pour après, est-ce que c'est pour toutes les maisons ou est-ce que c'est surtout les maisons en bord de l'eau qui doivent se prévaloir de ce genre de système ou est-ce que c'est vraiment l'ensemble des maisons de l'île de Laval, par exemple, qui devraient avoir ce genre de système? Oui, on recommande que les gens travaillent avec un entrepreneur vraiment pour trouver si c'est approprié à votre maison et le contexte, la connexion d'égout, par exemple. On voit souvent que les gens parce qu'il y a les problématiques des fois des eaux souterraines. Alors, souvent, les maisons construites où les eaux souterraines sont très hautes, ils ont automatiquement une pompe à puissance parce que sinon, l'eau peut rentrer dans le sous-sol assez facilement pour les fuites. Je crois que tout le monde doit considérer s'il peut avoir ces équipements-là, s'ils n'en ont pas déjà. Normalement, les nouvelles maisons, on attend qu'ils ont ces équipements, mais les plus anciennes maisons n'ont pas nécessairement été construites avec. Oui. Puis si j'ai bien compris, donc en fait, il y a une partie des inondations sont provoquées par l'engorgement d'eau dans les égouts qui viennent finalement envahir les maisons, si je comprends bien. Si les pluies intenses sont d'un taux qui comme plus que l'eau rentre plus vite que l'eau peut évacuer par les systèmes de drainage, on peut avoir un refoulement d'égout. Puis c'est contre ça que le clapet intérieur protège les maisons. Mm-hmm.
Merci beaucoup, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Amel, je t'entends pas. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Et on a beaucoup appris sur des petits détails et des grands. Et merci beaucoup. On te rien. Puis je pense que c'est comme une base parce qu'il y a surtout les mesures de protection plus structurelles qu'on peut faire, comme il y a les gens qui ont vraiment élevé la maison entière ou ils ont fait des choses pour changer la structure de la maison. Alors, ce que j'ai présenté, c'est vraiment une base qu'on peut faire nous-mêmes. Mais il y a d'autres mesures plus intenses qui sont peut-être applicables aux gens qui sont vraiment dans les plaines inondables, le 5% de haut risque. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire tous à la base pour réduire les risques actuels. Donc, c'est ce que je veux que les gens apprécient. On n'a pas besoin d'attendre. Ouais. Quelqu'un d'autre pour réduire les risques. Cette année était spéciale et surtout qu'on n'a pas eu d'inondation, les gens sont moins interpellés à cause de la COVID et tout ça là. Mais les informations sont là, ils sont en ligne, on peut les écouter, ils vont être sur nos sites web, Laval en transition et la caravane. C'est vraiment quelque chose de bon et nous allons continuer pour les autres thèmes aussi, qui est les îlots de chaleur et les infrastructures vertes. Alors, au plaisir de vous d'être ensemble aujourd'hui. Merci à vous, à vous tous. Merci beaucoup.